Et oui, ça, ça, on devait partager avec nous maintenant, c'est le fait que, aujourd'hui, là, la justice américaine, gelée, avoir, ou bien, contre, Bautista, et qu'il est même, Bautista, qui vient le citer dans le rapport sur, question Petro-Caribé en Haïti, également, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que, justement, c'est question après Chemel, et moi-même, moi, je crois que, il nous dit, aujourd'hui, pour aider question, enquête Petro-Caribé, eh bien, on a besoin, justement, de certains pays étrangers qui ont même eh bien gagné plusieurs transactions qui étaient faites et la caillou sur ton pays comme aux États-Unis. Et je dis à nous que eh bien les premières décisions qui sont par rapport à sénateur Bautista, mais pas oublié que contrat qui était fait tout à l'heure sénateur Latouchi et question Bautista, c'est vrai il est impliqué dans la question Petro-Caribe ici en Haïti, mais qui raison la justice américaine pour qui dossier exactement? Je dis la note là par rapport à des projets que Adam t'a mené au projet de reconstruction en Haïti. Je dis la note là, c'est par rapport à des projets en Haïti. Mais moi, je dis que ça a son premier étape puisque nous connaissons que projet en Haïti, t'es gué Adam, t'es gué Dissidios, t'es gué Rufi, qui c'est trois compagnies qui étaient bénéficiés de plus de 400 millions de dollars américains de contrats. Donc je dis à si là, les par rapport à des projets de 10 millions, moi, je crois que il y a pile d'autres projets. Et par rapport aux compagnies dominicaines, dont sénateur Bautista, c'est les propriétaires. Mais, et Petro-Caribe, il va faire simplement de contrats à firme dominicaine, il fait de plusieurs autres contrats. Et moi, je crois que si je dis à une coopération internationale et gagner, ça nous déclarer les en volonté et pour que justement France soit restituée. Moi, je crois que avec collaboration et avec la Trenta qui commençait déjà par rapport au sénateur Bautista, il y a été à tout le monde tout qui gaspillait France et Caribéa. Et là, ça, moi, je crois que, eh bien, rapidement, on peut pas ici amener justice. Donc, son souhait, ça, au moins, il y a des démarches légales qui a faites dans ce sens. Non, écoutez, pas de démarche légale et officiellement qui était faite, ni de Sénat par rapport à États-Unis, mais nous sommes de côté tout, États-Unis, il y a des lois qui votent par rapport justement à l'intervention que le cas fait là que il y a corruption, eh bien, nous croyons que c'est intervention par la loi qui fait, et espérer que l'intervention soit continuée, puisque le rapport est là, le rapport est public, les données sont là, et dans ce sens-là, nous pensons que ça doit continuer. Et ça mettait en pression en plus pour que je dis, il y a le plus vite ma question et permettre que l'agence a récupéré. Parce que je dis, c'est environ 14 milliards au pays comme Haïti qui aimait pour payer justement une dette. Donc, même le, l'autre pays, il y a même tout, eh bien, il y a des coups de main, il y a des bails. Mais là, on regarde, il y a 14 milliards de gouttes à dépenser pour payer des dettes, alors que comme ça n'a pas bien passé. Donc, je dis, c'est que il est inévitable d'avoir une grande coopération et la question de Bautista, je crois que c'est un premier pas. Et d'ailleurs, il est clair dans notre là. C'est par rapport au projet de reconstruction d'Haïti. Moi, je crois que il y a pile projet en Haïti de reconstruction, projet qui dégage comme Petro-Caribe, et tu besoin de reconstruction ou des projets de casier normal qui eux-mêmes dégagent sur facturation, dégagent corruption, pour continuer et prendre des mesures qui permettent que, une fois bien ça gelé, eh bien, et la justice, l'est que lui-même les finagit, eh bien, et ne peut pas ici qu'à récupérer en partie de la tâche. Et par contre, en tout cas, c'est flou, le fait que Bautista, c'est un Dominicain. Et donc, qui ça fait la justice américaine agit par rapport à implication dans le dossier Petro-Caribe en Haïti? Et nous connaissons des anciens dirigeants dans le pays d'Haïti, anciens dirigeants qui eux-mêmes vivent sous territoire américain, qui probablement gagnent des entreprises aux États-Unis et que pas quelqu'un, en tout cas jusqu'à présent, et pas gagné des actions qui ont tenté contre yo, pendant que il y a tenté action contre Bautista qui lui-même sont dominicains et qui pas ici en fait, et malgré les gains implications dans le dossier Petro-Caribe. M'avait c'est simple. Donc pour qui ça c'est Bautista, c'est pas les dirigeants haïtiens qui gagnent non yo nommément cité dans le rapport Petro-Caribe.
Bon, écoutez, de côté partout, là, la justice américaine a fait enquête partout. Donc, eux-mêmes, en général, pas oublier que le sénateur m'a dit ça, eh bien, c'est environ 400 millions de dollars de projet que le dégain n'a pas arrivé. Son montant, son gros, gros montant. Et avec les firmes Adam, Dissénios et Rufi. Donc, ça veut dire que je dis, et qu'aux Dominicains, qu'aux Haïtiens, qu'aux Américains, qu'aux Français, eh bien, dès qu'on réplique, et justement, la question de France à eux, moi, je pense que c'est pas nationalité à regarder. Et c'est vrai que sur son posé, il y a eu des Haïtiens, il y a eu des dirigeants, mais peut-être attendons pour voir, puisque je pense que ce n'est qu'un début, et c'est une très bonne chose que vous pression qui fait, je dis, pour que, eh bien, tout le monde qui est mêlé de près ou de loin, et c'est ça que je souhaite pas noyer, tout le monde qui est mêlé de près ou de loin, eh bien, par rapport à données au qui public, je dis, il y a des mesures conservatoires qui apprennent, qui permettent qu'en attendant, bien ça, il n'y a pas gaspillé, il n'y a pas gaspillé, mais la justice prend la décision, eh bien, à bien façon pour retourner comme là, à un pays d'Haïti. D'accord. Merci un peu, le sénateur de la Tote. Moi, je vous remercie. D'accord. Voilà, sénateur Youri, l'attendu qui était en direct avec nous, Koulia, nous pourrons parler de la Cour supérieure des comptes qui lui-même présenté hier. Il y a un rapport sur la situation financière pays d'Haïti et sur l'efficacité dépenses exercice fiscal 2016-2017. Dans un document ça qui a le jeune Palma qui exécutant, la Cour des comptes dit d'y constater un problème de planification dans le niveau de l'État, dans ça qui vient pour l'exécution projet, il a élaboré la recommandation, la pour amender le gouvernement pour chercher l'autre côté au cas jeune l'agent pour élargir assiette fiscale là. C'est juste Montpréville, c'est membre commission coordination rapport à l'éternel micro Jean-Paul Lundi. Le rapport 2016-2017 dit qu'on concentration sous mécanisme de financement l'État compte tenu des contraintes de financement auxquelles l'État fait face. Le budget ça a été exécuté pendant environ 5 mois par le gouvernement provisoire jusqu'à ce que le gouvernement définitif les prend pour deuxième moitié exercice. Pour exercice ça, malheureusement pour les dépenses en capital, qui généralement misaient sur financement externe n'a pas deviné. Ce qui fait que sur le financement prévu, à peine 16% avait été réalisé, l'ensemble du budget d'investissement globalement financé par l'État haïtien, puisque l'international ne s'est pas manifesté pendant l'exercice 2016-2017. Sur les opérations courantes, globalement, nous avons des ressources domestiques et positives donc, et qui ont dépassé donc, les prévisions de la loi de finances rectificative. Nous avons des dépenses courantes qui étaient plus ou moins contrôlées et donc ça va en solde positif parce que nous avons tenu compte et de investissement que l'État toujours considéré dans un paquet à part. De manière globale, nous rendons compte que tout projet exécuté est confronté à un problème récurrent que nous soulevons à plusieurs reprises. Ce problème, c'est que l'État souffre et d'un problème énorme de planification. Et projet exécuté souvent est exécuté sans études ou avec des études inappropriées. Et ce qui fait que bien des projets les nous laissés, les nous évalués sous terrain, il est extrêmement difficile pour disposer d'un cadre de référence. Parce que lorsqu'on a un travail qui était réalisé, ou pas un papier qui dit au même ça nous déplanifié fait, là, et le contrôle est extrêmement difficile. La Cour produit un ensemble de conclusions et pour un ensemble de recommandations. Jusqu'à présent, nous avons l'impression que l'assainissement des finances publiques a été poursuivi comme une fin en soi. Nous atteignons un équilibre budgétaire, mais les investissements n'ont pas été adressés correctement. Les contribuables ont même répété, on nous fait payer des impôts pour payer les gens chargés de veiller à ce que nous payons nos impôts. Donc il faut aller plus loin que ça et montrer aux contribuables, donc, aux contribuables et aux citoyens, que donc, l'État travaille pour le fonctionnement seulement, mais la travaille pour transformer donc, les conditions de vie. En matière de collecte, il faut donc aller au-delà de la facilité et à l'autre côté, chercher l'autre contribuable de manière
toucher secteur dans qui est formel là et formaliser un peu plus l'économie nationale. Donc pour aboutir à de meilleurs résultats et à élargir les bases assiette fiscale, donc base taxable. La Cour reprend recommandations que j'ai répétées plusieurs fois déjà pour nous sortir en pratique qui consistait à modifier la loi fiscale à l'intérieur à travers la loi de financement. Ministère agriculture finalement a gagné un laboratoire pour contrôler qualité semences qui a sorti à l'étranger ou bien qui a produit sous territoire national avant de distribuer les producteurs. Construction laboratoire, service national semencier SNS équipement, formation CISCAD, ministère Alain, jeune bourrat de l'agent Banque Interaméricaine Développement BID pour un valet $2 million en cas de composant deux projets transfert technologie bah, agriculture PTTA. Occasion, cérémonie d'inauguration, laboratoire ça hier, Nanta Marinier, ministre agriculture, là, on dit l'important pour connaître qui qualité semence qui pourra le planter dans le jardin paysan, oui, et puis permettre ministère allant, puis bien accompagner agriculteurs dans le secteur. Oui, Michel Akadera, Simon Dieu seul, invité tout acteur dans la classe politique là, dans la société civile là, voyez jeter toute manœuvre ticouloute qui pourra le tenter touiller les œuvres à Kossa. Écoutez, on a pris l'autre, Majorie Michel, Akadera Simon Dussel, Yotena Mikoul, Davidson Saint-Fort. Nous motivons pour nous aider la population dans la bouche du système senti corrompu, dans le régime de Kanye Metelio. Nous prenons des décisions pour nous mettre force pour ensemble, dans l'idée pour nous défendre intérêt peuple à intérêt nation. Nous-mêmes qui devons devant toute grandette majeure pays, nous décidons de bataille, construire bonjour et unité dans le secteur démocratique à Kobiné. Seule façon d'ailleurs pour nous constituer une véritable force politique comme capable de l'élite haïtien en route dans le chercher. Pour ça, nous mettons d'accord. Vous, premièrement, nous renoncer à toute initiative ticoulou ou bien personnelle qui va empêcher une idée qui fait pour défendre la cause majoritaire qui est victime et qui besoin. Nous prenons engagement pour nous unir, pour nous combattre le système antinational, le système anti-peuple, pour voir tête calée, symboliser. Et j'ai dit notre tête, il y a un pharaon qui est le Jovenel Moïse. Nous avons décidé pour défendre l'intérêt de tout le peuple haïtien. Finalement, ils sont dans la misère sans pareil. Plus passé qu'à 95% de l'eau qui vivent là-dedans. Mobiliser toute force pour nous déchavirer le système politique, économique et social. Ça. On en a rassemblé force pour nous débarrasser du pays à pouvoir politique. Pharaon Jovenel Moïse, qui symbolise tête calée. Si c'est un véritable cancer pour demain pays d'Haïti. Nous décidons de marcher contre tout le monde, à quantité qui croit le secteur démocratique, dans l'idée de nous réaliser l'objectif là, pour nous aller plus loin. Nous décidons de mettre les chita ensemble, toute force vive le pays, pour nous construire et lui présenter dans un temps tout court, puis bonne formule pour gérer un pouvoir salut public, qui a adopté toute décision qui a bien pour prendre un bon dialogue. Nous décidons de nous travailler pendant pouvoir salut public sans assouplir, pour réaliser une conférence qui grande une tête pour bien avoir soin de tout petit pays. J'ai ça prévoir dans le document ça qui montre à clair position secteur démocratique à couper. Nous reconnaissons toute partie politique, organisation et personnalité qui a accepté signer protocole qui s'est engagement ça. Et organiser pendant qu'il a respecté tout ça qui dit pendant la progressive ça. Nous signons ensemble. Nous j'ai ignoré si ça va arriver. Tout campé en route. N'importe nos membres qui signent encore ça. Et puis qui vous met pour ça empêcher, reste membre, vous continuez chemin. Toute trahison qui t'a fait pour mettre le membre, membre qui fait lien devant la population et population à prendre. Mettez campé. Mettez campé. Lisien et strictis qui pour. Qui nous fait coordination pour bailler à Kossa une suite à continuité. Satan n'a pas chassé Satan. Mais Moïse qui n'a désiré va chasser Moïse dans le bloc. Satan n'a pas chassé Satan. Mais Terence Modiocel va déraciner le gouvernement de Kalessa pour nous planter un peuple dans le pays.
chasseur va chasser Satan, mais nous nous avons dit, nous allons barrer. Chasseur va chasser Satan, mais Marie Michel dit au nom de Saint-Michel, nous avons crasé tête Satan quand il nous venait. Voilà, on t'a pas écouté, déclaration Marjorie Michel et Simon Dera, qui eux-mêmes fait partie du secteur démocratique, là, j'en dis hier, qui présentait officiellement donc document ça, et n'a pas rappelé, le sénateur Maurice Jean-Charles Petite Dessalines était présent pour te signer document ça, et il était prend la parole dans l'occasion. Koulia, nous voulons parler de Petro-Caribé. Oui, Sénat République là, l'IPOCO transmet la Cour des comptes aucun document qui vient pour un rapport enquête sur l'utilisation de l'argent qui sortit dans le programme Petro-Caribéen d'après président Pigot, tribunal administratif pays. Nous voulons parler de la Cour supérieure des comptes. Monsieur Padarold, Eli a annoncé la Cour en préparer un rapport sur gestion fonds Petro-Caribéen sur une période 8 l'année. Un côté déclaration de la micro, Jean-Paul Lundi. Je souligne à votre attention que la Cour n'a jamais reçu de rapport du Petro-Caribé d'aucune institution. Je précise encore, la Cour n'a jamais reçu de rapport d'aucune institution pour faire son travail. La Cour a reçu une correspondance accompagnée d'une résolution prise par l'Assemblée des sénateurs demandant à la Cour de faire son travail. Qui travaille, c'est l'audit qui est le travail constitutionnel de la Cour, son travail quotidien. Justement, à quel point la Cour se trouve, on est en train justement de travailler sur ce rapport qui s'échelonne sur la période 2008, les fonds Petro-Caribé gérés par nos administrateurs de 2008 à septembre 2016. 8 ans à peu près, on commence déjà le processus du travail est déjà enclenché par la Cour. Mais parlant du rapport, nous n'avons jamais reçu de rapport d'aucune institution. Oui, on avait produit une demande auprès du Sénat pour les deux rapports qu'on parlait. Le Sénat nous a répondu effectivement qu'il n'y a pas eu de rapport validé ou bien adopté en Assemblée des sénateurs.